Chaque fois que vous rentrez en prière, à un moment donné de la prière, Dieu vient. Ça veut dire que lorsque vous commencez à quitter votre chair, vous quittez l'âme, c'est-à-dire les émotions, et que ce n'est plus les émotions qui vous conduisent vers Dieu, ce n'est plus les demandes de la chair, le bien-être qui vous conduit vers Dieu, mais que c'est les profonds soupirs que Dieu a mis en vous qui vont chercher le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit vous connecte à Dieu, à un moment donné, vous ne devenez plus humain, mais votre esprit commence à naviguer avec Dieu. Et c'est ce que tu dois atteindre chaque fois que tu vas prier. Il faut changer ton approche. Tu es esprit, tu vis dans un corps, et chaque fois que tu vas à la source de ton esprit, il faut qu'il y ait quelque chose. Tu ne peux pas être esprit, aller te connecter à Dieu qui est un esprit, et il n'y a rien du tout. Lorsque tu te connectes à Dieu, des flots d'eau vive coulent dans vos seins. Lorsque tu te connectes à Dieu, Dieu te parle, Dieu t'instruit, Dieu te montre des choses. Arrêtez d'avoir des temps de relation avec Dieu de façon rationnelle. Le rationnel, là, c'est dans l'âme. Arrêtez ça. C'est ce qui est en train de tuer l'Occident. C'est ce qui est en train de tuer nos pays. Nous devons atteindre le spirituel. Lorsque nous prions, lorsque nous allons vers ce Dieu grand, vous devez dépasser vos capacités rationnelles. Parce que Dieu parle. Parce que Dieu agit. Parce que Dieu est esprit. Il y a des moments où tu pries, Dieu te prend et t'envoie dans le passé. Il y a des moments où tu pries, Dieu te prend et t'envoie dans le futur. Abraham était en train de parler avec Dieu. À un moment donné, la Bible dit qu'il est rentré dans un profond sommeil. Et ensuite, il a commencé à avoir des frissons. Abraham ne pouvait pas comprendre en ce moment-là. Mais quelque chose qui allait arriver dans 430 ans était en train d'être révélé à Abraham. Lorsque vous allez avec Dieu, les courants spirituels que Dieu a connectés à vos vies pour votre avenir, l'avenir de vos enfants, l'avenir de votre nation, ces courants doivent passer au travers de vous. Parce que vous êtes des pions essentiels, non seulement pour votre nation, pour vos présidents, pour vos ministres, vos premiers ministres, vos familles et vous-même. La Bible ne dit-elle pas, la création tout entière attend. Avec quoi? Un ardent désir. Tu es tellement important que Dieu t'a créé à son image, afin que chaque fois que ton pays va crier à l'aide spirituellement, que tu sois capable d'entendre et de répondre et de donner de l'eau à boire à ton pays. Chaque fois que ta famille va crier à l'aide, quand on dit à l'aide, le sang crie. La Bible dit que le sang d'Abel a crié depuis la terre jusqu'au ciel. Il y a des souffrances dans la vie. Il y a des souffrances dans ton foyer. Il y a des souffrances dans ta famille. Bien-aimé, les attaques que vous vivez, les choses que nous vivons, bien-aimé, c'est à cause de ce qui arrive de grand pour toi et pour ta famille. Voici pourquoi il est nécessaire pour toi d'être un être spirituel et chaque fois que tu vas devant Dieu, d'être connecté à lui, de ne pas t'arrêter sur le plan physique ni émotionnel, mais de transcender et d'être transporté. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu apparaissait. Même dans le Nouveau Testament, Dieu apparaît, des anges apparaissent. Dieu parle audiblement. Dieu parle par des songes. Dieu parle par des rêves. Moi, Dieu m'a parlé audiblement pour ma conversion. Un ange qui est sorti dans ma chambre, chez ma femme, à une période difficile de notre vie. Il ne m'a pas donné la signification. Il dit, je suis l'ange de la restauration, c'est tout. Le lendemain, la situation qui semblait être bloquée dans tous les sens, sur le plan intellectuel, sur le plan administratif, sur le plan humain, qui était impossible, Dieu l'a décanté. Le Dieu que je prêche là, le Dieu que tu loues là, quand il dit « il n'y a rien d'impossible », c'est parce qu'il est spirituel. Tout ce à quoi tu penses ou tout chemin que tu penses pouvoir avoir pour atteindre l'objectif, Dieu les crée et Dieu peut créer d'autres chemins à n'importe quel moment de ta vie. Il dit à ses bien-aimés, il fait quoi dans leur sommeil? Il trace, il leur donne des chemins. Les chemins se créent au fur et à mesure que tu te connectes. Ce n'est pas que les chemins sont déjà là et puis ça ne... Non. Dieu crée chaque fois que tu as besoin de lui. Si le chemin est fermé, il va toujours créer un chemin pour que tu puisses atteindre l'objectif. Tu peux échouer ici, mais il va créer ici. Tu peux échouer là, il va créer là-bas. Notre Dieu crée toujours. Connecte-toi seulement.